Bonjour les scorpions, j'espère que ça va bien. J'ai un nouveau deck de cartes qui est inspiré du film The Crow. Film culte. Bird of Crows. Et j'ai fait un nouveau tirage qui est mon âme sœur ou l'amour de ma vie. Peu importe la définition que vous donnez à âme sœur. Donc, on va aller voir c'est quoi votre énergie du moment. Où est-ce que vous en êtes? Net. Prise 2. Où est-ce que vous en êtes? Après ça, on va voir l'autre personne. Ok. Jugement. Crossroads. Vous êtes. Ouais. La carte. Ils sont écœurantes, ces cartes-là. Ils sont vraiment, là, c'est quelque chose. On va voir pourquoi. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Vous êtes là, vous avez eu comme l'éveil. Vous êtes comme réveillé. Ouais, réveillé, puis là, c'est comme, ouais, on y va, là. Là, on est le chevalier de bâton. Fire pony. On va aller voir c'est quoi qu'il faut que vous fassiez. Peut-être pas aller trop vite, le chevalier, là. On va vite d'habitude. Mais je pense qu'il va y avoir une petite tempérance avec le. Vu que c'est en jugement, là, la carte du jugement. Ouais. Ouais. Donc, en ce moment, vous êtes vraiment là, qu'est-ce que je fais? T'sais, vous avez eu le moment de révélation, puis vous êtes peut-être quelqu'un qui, d'habitude, va vite en affaires. Mais là, votre action, c'est d'être l'ermite. Okay? Ermite, c'est quelqu'un qui va aller à l'intérieur à la place de l'extérieur. Littéralement, c'est le contraire du chevalier de bâton. Chevalier de bâton, c'est il agit, puis après ça, il pense. L'ermite, c'est il pense. Il pense. Après ça, il pense encore un petit peu plus, puis encore un peu, puis après ça, il agit. Puis des fois, il agit même pas. Mais vraiment, dans votre cas, ça va être vraiment... c'est vrai. Ils sont belles, les cartes, je les aime. C'est vraiment... C'est comme la croisée des chemins, de dire, est-ce que je vais à droite puis je bouge vite comme d'habitude, ou je vais à gauche puis je prends mon temps puis je regarde vraiment qu'est-ce que je veux puis qu'est-ce que je pense puis qu'est-ce que, tu sais, genre, je vais à l'intérieur de moi à place de faire, que ce soit tout le temps physique, que ce soit toujours l'autre personne. OK, vous travaillez avec. Trois de pentacles. C'est quelqu'un... Trois de pentacles, c'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui est très bon pour le teamwork. C'est quelqu'un... j'ai l'impression que vous travaillez avec, vraiment. Dans votre entourage de travail, on va dire comme ça. Quelqu'un, c'est très important dans une relation amoureuse, bonne communication, d'égal à égal, équité. C'est très teamwork, là. Moi, j'amène ça à la table, toi, t'amènes ça. En tout cas, le roi de coupe, il ressort à peu près. C'est quelqu'un, justement... Beau, vous êtes vraiment un petit peu des contrastes. Autant que vous avez eu comme le « ah », puis là, il y a une hésitation. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui n'a pas d'hésitation, c'est quelqu'un qui est « what coup », c'est quelqu'un qui... Ça va faire du système avec vous, littéralement, là. Bien dans sa peau, bien dans ses sentiments. L'autre personne sait qu'est-ce qu'elle veut, sait qu'est-ce qu'elle veut pas. Très actif, quelqu'un d'actif, puis justement, ça va bien balancer le fait qu'en ce moment, vous êtes dans un mode ermite, je dirais hermétique. C'est cute. Vous êtes son souhait. Le fait que vous entrez dans sa vie, ou que vous êtes entré dans... ou que, tu sais, genre, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, c'est comme son souhait. Peut-être qu'elle vous regardait de loin, elle était toujours comme... Oui! Tellement vite. Pourquoi c'est tout le temps ça? Puis là, vous êtes en train de mettre le break, faire comme, OK, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas? Je vais faire un regard intérieur. Puis c'est comme si c'était son souhait que vous deveniez comme ça. Puis que là, ça va être le bon timing d'être ensemble. Okay. Oh. L'union. La toune est louchée dans le temps. C'est comme si... Ensemble, vous allez comme affronter vos peurs. Ensemble, vous allez mettre la lumière sur la noirceur de la nuit. C'est beau.
mes larmes sont vraies. Non, mais c'est vraiment cute. Il y a vraiment, j'ai l'impression que pour personne, ça fait longtemps peut-être qu'elle attend après vous que vous vous réveillez, bâtard. Que ce soit arrêté de coucher, coucher aussi, de courir à droite puis à gauche, puis de faire comme, OK, qu'est-ce que je veux? Ouais. Mm-hmm. Si vous ne l'avez pas déjà rencontré, c'est hyper destiné, c'est la roue de fortune. Ça, c'est le quand. Maintenant, le comment. Ouf! Les petites nouvelles, ça va être une nouvelle. OK. La rencontre. Si vous ne connaissez pas déjà, ça s'en vient. C'est la roue de fortune. Roue de fortune. L'impression, là, qu'est-ce que ça donne, là? C'est que vous avez... C'est comme si... C'est comme si vous ne savez pas que vous avez des sentiments pour la personne. Elle, j'ai l'impression que ça fait peut-être un petit bout que vous trouvez cute. Puis que vous, tu sais, vous, c'est comme... C'est comme si vous pensiez toujours que cette personne-là, c'est une bonne personne à marier, mais pas pour vous. Puis que là, vous allez faire... je trouve cute pour vrai. C'est destiné. C'est... Non seulement c'est destiné, mais ça, elle va arriver sur votre chemin. C'est incontournable. C'est incontournable. Le quand, bon, là, c'est 9 d'épée, mais c'est pour le chiffre, c'est pour 9 d'épée. Donc, mois de septembre, ou 9 jours, 9 mois, pas 9 ans. Non. Pas 9 ans, là, on ne reste pas en ermite pendant 9 ans. Wow. No. Fait que je pense qu'il va y avoir du ouais, mais peut-être que quand vous allez vous rendre compte que peut-être vous allez peut-être un petit peu mal dormir, vous allez faire comme, mais est-tu trop tard? T'sais, est-tu trop tard? Est-ce que j'ai attendu trop longtemps pour faire un move? Le comment? L'as d'épée. As d'épée, c'est l'ultime vérité. C'est épée, c'est tout ce qui est communication, télécommunication. C'est tout ce qui est stratégie, logique. Fait que si vous la connaissez déjà, comment? Ça va être une stratégie. Si vous la connaissez pas, ça va être quelque chose, peut-être rencontre par Internet, tu sais, avec l'air du temps. Ça va être probablement une rencontre par Internet où vous allez avoir des nouvelles. Tu sais, c'est très air, là, tout ce qui est épée, là, c'est très, tu sais, c'est nouvelle, c'est télécommunication, c'est rapide, c'est ouf. Fait que ça va être, ouais. Ah, ça va être cute. Ça va être vraiment une belle petite histoire d'amour cute. Eh, bye!